Bonjour, c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge Magie. Alors cette fois-ci, et à partir de maintenant, ce sera toujours comme ça, je vais vous faire les FM en live. Donc là, cette séquence, je la tourne pendant un live de Forge Magie, on a des gens qui sont avec nous en direct. Et on a un premier PPA sur cette cape matelassée, que je vais essayer de faire en GPerf over écrit PO. Je pense que là, on aura une vidéo complète qui va être consacrée à la matelassée, et peut-être même jusqu'à ce que ça passe, ou alors en tout cas un bon nombre de tentats, on verra bien. On a 92,4 de puits sur cette première tentative. Il va falloir que je commence par un overchance, quoique dans mes récris elles sont à moins 7. Donc, je vais aller d'abord sur un over vita peut-être. Hop. Enfin, pas en over, juste remonter la vita. On a moins 3. Pour l'instant, je vais laisser la vita comme ça, je vais pas être trop pointilleux. On va aller chercher également l'agilité ici. Salut à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que je garderai pas? Ouais, je vais garder la chance pour la fin. Donc, Doer. Ah ben je suis con, maintenant je peux utiliser ma macro. Hop. 3, on a moins 15. Ensuite, le retrait PA. Est-ce que ça passe? Non. Ok, moins 14. La fuite. La fuite qui passe à moins 4. Les restes sont ok, les réécrits. Après, il ne restera plus que la chance à gérer. Les deux cris, pardon. Hop, moins 10. Petite overchance. Ah, il y a une petite latence quand même quand je suis en live. C'est un tout petit peu désagréable sur le passage des runes, mais bon, c'est quand même plus interactif, même pour moi. C'est même si je perds un petit peu de temps à cause d'une latence due au streaming, surtout que je stream à la fois sur YouTube et sur Twitch. C'est beaucoup plus sympa plutôt que de farmer les heures de FM tout seul. C'est beaucoup plus cool pour moi aussi. Alors, on a ici 40 de puits. 40 de puits, je vais y aller avec de la part écrite autant que possible. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah décidément. On a donc déjà moins 24 là-dessus. Hop. Alors là maintenant il faut que je passe sur des réécrits simples quand je passe de moins 1 à 0. Alors ça je vous ferai des vidéos de FM plus techniques pour vous expliquer pourquoi c'est vital. Donc j'en ai une. Là j'ai moins 2. Et je peux encore en mettre une. Moins 2. Et je vais terminer avec 2 par écrit. Une. Et. Décidément, ça passe pas trop. Et 2. Bon, bah, on a juste mis à 0 réécrit. C'est déjà pas trop mal. On va tenter le PA. Le PA ne passe pas. Tant pis. Donc, pas de PA pour cette première tenta. Deuxième puits PA là-dessus. Alors, on a 97 depuis ici. On va commencer par un petit over vita. Alors, une. Deux. Moins 6. On va tout de suite enlever l'over vita avec une rune réécrit. Ça c'est nickel, c'est tout ce qu'on aime. Ok, on passe à 249, on n'aura pas mieux malheureusement. Je vais garder la chance et l'agilité à la fin, on va les faire en over. Ensuite, la sagesse, c'est toujours un peu délicat. On a un double crit à la passe, ça fait plaisir. Do R, Do O, moins 10. Hop, le retrait PA. Ça nous prend... Oh, 21, 20... Ok, moins 21, bon ça pique un petit peu. Après, ce qui est bien, c'est que là, quel que soit le jet que j'ai fait final, si le PA repasse, je tente le PO. Donc, bon, ça peut. C'est quand même moins désagréable à faire que des jets qui ne concluent même pas sur d'autres items. Alors, on a 2, 3, moins 18. 42 de puits restant là-dessus. Bon, ça va nous faire quand même un petit over écrit sympathique, je pense. Moins 10. Le petit over chance. Hop. Il nous prend. 12 de puits quand même, ah, ça pique. Hein. Pour aller chercher le perf, ça coûte cher. Hop. Je vérifie que j'ai rien oublié. A priori, on est bon. Moins 15 sur l'agilité. Décidément, là, on a un peu défoncé le, on a un peu défoncé l'item quand même. C'est pas grave, hein, pas de regret. Je vais vraiment aller chercher les 45 de stats à chaque fois. On a un succès crit sur la récrit, tiens, ça c'est assez atypique à ce moment-là du FM. Et voilà, on a remis la vie à 45 et il nous reste moins 10 de puits. Je devais avoir, je pense. Merde, j'avais combien? Ça a fail. Ok, je devais avoir 5, je pense. 1, 2, 3, 4 et 5. J'avais 5 ou 10? Ouais, non, j'avais 5. Allez, le petit PA, bam, tenta PO, de toute façon le PO va pas passer, et puis s'il restait du puits, ça partira aux oubliettes bien sûr. Et pas de PO, mais je vais vous le passer en plus, vous aurez la petite réaction en live, ça sera sympa. Allez, on continue. Nouveau puits PA, il nous reste 69 de puits parce que je parlais sur le live et j'ai passé les runes les unes après les autres sans faire gaffe. Bon, on a un G qui est pas trop mal dans l'ensemble.
Petit retrait PA qui manque ici. Hop, ça passe, moins 7. Il va me falloir également la Vita. Là, on est un petit peu embêté pour la Vita quand même, hein. Ok, je vais la faire à la fin, la Vita. On a quand même tout le reste qui est bon. On n'est pas trop mal là en termes de G. Moins 3 pour l'agilité. Il faut que j'enlève l'over d'agi avec une récré. Nickel. Ensuite, la chance qui passe également. C'est pas mal. À nouveau, la récré. Hop, une, deux. Nickel. Maintenant, la vie. Alors là, j'ai pas le choix d'over hein, parce que je suis assez pointilleux sur le G. Et puis là, comme c'est un item qui est facile à FM, on va aller chercher le gros G en Vita. Donc, moins 9, 12, 15, 18, 21, 24. Et bah, décidément, ça picote, hein. Ça picote à se demander si ça valait vraiment la peine. En tout cas, c'est fait. Ok, donc j'ai 32 de puits restants. Ouais, c'est quand même correct, 32, on va pas se mentir. Il faut que je mette à moins 1. Si j'y arrive, bien sûr. Bah, décidément. Eh, cette tenta, elle me respecte pas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah, j'ai plus de puits. Bon, bah. Je devais même avoir un de puits d'avant parce que là, j'ai un moins 33, j'étais à 32, donc je devais avoir un tout petit peu de reliquat précédent. Ok. Et le PA qui passe pas, décidément. Ça s'annonce un peu compliqué, ce FM. Hein. Allez, on va continuer. 94 de puits ici. Bon, la Vita, cette fois-ci, on va pas la toucher parce que vu ce qu'elle nous a pris juste avant, ça picote quand même pas mal. Je suis embêté là sur les 44-44. Pas top. On fera ça à la fin. Alors, on a moins 5. Ok, un petit crit ici. Oh, celle-là, je la sens bien. Je sais pas pourquoi. Oui, ça commence bien. Moins 5. Ensuite, les raises. Moins 12. Moins 18. Ok, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Le retrait PA moins 7. Et bah, on va déjà y aller là-dessus. Hop. Oh, ça passe mieux qu'à la tenta précédente. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est quand même un petit peu mieux. Ok, on a un crit sur la récré. C'est pas forcément au moment où ça m'arrange le plus, mais bon, c'est toujours ça de pris. Ok, ouf. Ça passe comme ça. Parce que si j'étais passé à moins 6 récré avec encore un over agi, là, j'aurais été en PLS par contre. La chance qui passe aussi, ça c'est bien. Hop, 58 de puits. Bon, là on va avoir une belle tenta, je pense. Tout le reste est ok. Hein. Je vérifie que j'ai pas oublié un truc sur l'item, ça arrive de temps en temps. On est à moins 6 réécrits. Il va falloir que j'aille à chercher les moins 4. 1, 2, 3, moins 3. Allez, on va y aller maintenant à la part écrit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est quoi cette merde là? Moins 42. Il me reste 13, mais c'est nimp. Ah bah voilà, il suffit que je dise ça et c'est bon là, ça passe. Donc on a 10 de puits restants. Bah décidément, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Je peux tenter 2 comme ça. Une, deux. Et une par écrit. Attends, on s'est pas fait respecter là sur les. Pourtant, normalement, les paires écrits, quand on est dans le négatif comme ça, ne passent pas moins bien que les récrits. Hein. Ça a même tendance à. Enfin, ça augmente la variance de l'item du jet final. Donc, d'un point de vue stochastique, c'est mieux pour aller chercher du gros jet. Mais là, c'est. On s'est pas fait respecter. Bon, bah, allez, PA, est-ce qu'on a une tenta PO quand même? Et décidément, on n'aura jamais de PO là-dessus. Hein. Tant pis. 98 de plus sur cette tenta. On va commencer par la Vita, je pense. Je vais aller chercher systématiquement le 249 en Vita minimum. Donc là, on a moins 15. Je vais baisser avec une rune récrie en espérant que, on ait un moins 6. Moins 6, nice. On a le G perf en Vita. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, alors je terminerai par la J et la chance. Que je vais devoir over dans les deux cas. C'est un petit peu triste. Moins 6. Bon, le G est pas trop mal dans l'ensemble là. Oui, la coiffe de Rabis, il n'y a que la coiffe. Hein. C'est une coiffe là de Rabis. Moins 10. Et bah let's go. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien là, on va pas se mentir. On a moins 6 ici. Tac tac tac. Ah, il manque les repousses sur la tienne, Edouard, hein, on le sait tous.
Hop, d'ailleurs, on m'a proposé tout à l'heure, le Stalak, quatre fois que j'avais depuis un moment, je te le rends et bam, on veut me le vendre. Ça m'a fait délirer. Je voudrais bien enlever mon over, moi, dites donc, là, ça m'embête. Je suis à 45, c'est pas terrible, hein. Moins 3 réécrits, moins... Ouais, moins 6, du coup. Et... Hop! On a donc 52 depuis. Je vais passer à moins 7, ça crit, nickel. 52, c'est pas mal, hein, franchement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24. On a donc 28 depuis restant, ce qui veut dire que je peux mettre deux runes réécrites, une et deux. J'espère que j'ai pas loupé de succès crit, mais non, je crois pas. On est donc à 24. 24, ce qui nous laisse 4 tentatives là-dessus. Hop. Ok, 3 réécrits. 3 réécrits sur G, perf moins 2 sagesse. Écoutez, si. Ah bah, c'est pour les armes. Est-ce qu'il est sculpte mage aussi, le coco? Sculpte mage. Sinon, on va lui faire faire une béchasse. Bref, allez, le petit PA. Ah, dommage. 93 depuis sur cette tenta ici. Va falloir faire overagi, overchamp. Ça m'arrange pas des masses. On va commencer par la vita tout de même. Ok, là on a moins 6. Petite rune réécrit. Moins 5, ok, on ne pourra pas avoir mieux que ça sur la Vita. Donc on part sur la suite, moins 3. Ok, bon pour l'instant ça se profile quand même assez bien. On va arriver sur un G vachement clean, hein. Moins 3 ici à nouveau. Ah, succès crit à la réécrit, c'était pas vraiment ce que j'attendais. Mais on est good, on est complètement good. Ensuite, la fuite, moins 8. Je vais faire au fur et à mesure, sinon je vais oublier. Donc, on est à 8 sur la fuite déjà. Là, on est à 18 sur les raises. 24, 30. Non, 24, on a eu un crit. Ok, moins 24 sur les raises donc. Les deux cris, et on est bon. Moins 15. Ok, c'est correct. Bon, le G est quand même vachement propre là. On a les 40 sagesse, c'est agréable. On a juste un moins 1 vita. 34, et ben on y va sur les paris écrits. C'est flippant là. 7, 8, 9, 10. Et ben décidément, moins 30. Donc j'ai juste deux réécrits maintenant. Et ben c'est. Ça a été un peu capricieux. Ok, on n'a plus de puits. Est-ce qu'on a une tente à PO là-dessus? Ah, première tentative audio du live. Bah c'est parti les amis. C'est parti. Est-ce qu'on a un petit PO qui passe? Eh franchement, ça ferait du bien. Ah! Pas de PO. 95 depuis là-dessus, donc on va commencer peut-être avec un overvie. Ouais, j'ai pas trop le choix là. Allez, c'est parti. Ça passe, moi. 3. On va enlever avec. Putain, j'ai pas de rune réécrit, j'ai une de ces poisses. J'ai une de ces poisses, enfin c'est pas de la poisse, c'est juste que j'ai pas pris le temps là, comme on vient de passer le PM sur la bague Triton. Hop! Avec les petits lags du record du stream en même temps, c'est tout ce qu'on aime. Combien de tentas? J'ai fait 25 tentas sur la bague Triton PM là. Il est quand même plutôt sympa. Les bons lags. La bonne latence. 30 M, mais je migre direct sur mon serveur, c'est 22, 25 M. Mais non, mais ça dépend, c'est pas aussi fixe que ça des prix. Il y a des items, vous pouvez les vendre 25 millions ou 35 millions le même jour, ça dépend juste de l'acheteur que vous trouvez, hein, de comment le mec est pressé et tout. Les prix ne sont pas fixes par serveur comme ça, hein, ça n'a pas de sens de dire c'est 25 millions sur mon serveur et là tu dis à 30 M. 30 M, c'est une estimation, ça veut dire que peut-être que si je le mets à HDV à 20 millions, ça va mettre 3 jours à partir, et peut-être qu'avec 35 millions en 2 semaines, c'est parti. Enfin, c'est beaucoup plus variable que ça, les prix ne sont pas déterminés. Et putain, j'ai acheté des runes cri! J'ai acheté des runes cri, mais je suis vraiment un gogol. C'est un délire, ça. Je suis vraiment un gros gogol. Réécrit, bah oui, bien sûr, puis quand je regarde le chat, mais en plus, il y a un petit décalage, donc bah voilà, je suis déjà baisé, quoi, faut que j'y retourne. Ah là 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 là. Bon bah on continue.
Je suis parti de 3... il y a 2-3 heures, il y a moyen de voir la bague Triton, ouais, je vais vous la montrer, en plus comme ça elle sera aussi sur le record de la vidéo de la cape matelassée. Et j'ai du mal ce soir, hein. Récri, hop, allez, et puis en plus c'est moins cher que les crits, hein, forcément. Je vais en prendre, allez, on va en prendre 500, ce sera bien. Hop là, allez, on va y arriver, hein. On va y arriver, je vous le dis tout de suite. Ça va faire des montages de Gris Fox qui dit qu'il est un gogol et ça fera un 10h, ouais, éventuellement. Éventuellement. Alors attends, je remonte la bague Triton pour ceux qui m'ont demandé. Voilà, bague Triton qui vient d'être passée en live avec 25 tentatives sur un G qui est vraiment pas fou mais qui est passe pour un mode de poux pour tester un petit peu le mode de poux sur un steamer. Voilà, sachant que la sagesse est un peu crado, mais on a les 10 esquives PA, les deux cris, on s'en fout un peu, et le tacle, de toute façon on a 0 de tacle, donc globalement c'est pas trop mal, il y a un mini overvita, j'aurais aimé que ça passe sur une plus belle tenta, on en a eu des plus belles que ça, mais bon. Voilà. Bref, on en revient à notre cap matelassé, cette fois-ci on a les récris. On était en train d'enlever un overvita, hein, si je ne m'abuse. On a un crit juste quand on n'a pas besoin, on a deux crits quand il en faut pas. C'est bien ça. Voilà, bon. Ensuite la J. Moins 3, moins 6. Mettre la chance aussi éventuellement. Moins 9. Ah, la récré qui est passée à 7, ça m'arrange pas des masses tout ça. Ok, là on est good. Ensuite les deux O qui passent à moins 5. Bah, on est pas trop mal là. En vrai, si je pouvais avoir le PO ce soir aussi, ça me ferait une soirée plutôt rentable. Hein. Alors on est à 3, on est à 6 pour l'agilité, moins 6, ensuite les récris pour enlever l'over. Ok, et on a 72 depuis, 72 c'est vénère en vrai. Hein. On va faire le petit de moins 4, on est donc à moins 2 ici, c'est énorme comme puits là, on a une tenta monstrueuse. On a moins 3, on a moins 6, on a moins 9. On va passer à 0 récré. Enfin, on va regarder combien on a plutôt. 61. Bah, 61, en fait, ça me laisse 10 tentas par écrit. Hein, que je sois à moins 1 ou à 0, c'est pareil. Ça me laisse 10 tentas là-dessus. Donc, bah, on est parti. On est complètement parti, j'ai envie de dire. Allez. Normalement, là, tout est bon. Je me suis pas loupé. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de manque sur l'item. On va regarder si je sais compter le puits ou si j'ai encore fait une arme comme un gogol. Là on a déjà 5 récris, c'est beaucoup 5 récris. Hein. Si on pouvait avoir 8 récris, ce serait monstrueux. Et j'ai bien compté mon puits, hein, donc on a quand même une très très belle tentative ici. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Et on a le PA là-dessus en plus, donc déjà on a un très très beau G. Il faudra que je regarde, parce que j'en ai une autre en fait, et je vais regarder laquelle est le plus beau G des deux. Donc en fait on va arrêter là pour ça, et puis on verra sur laquelle je reprends avec une tenta PO. On retrouve donc cette cape pour tenter le PO. Ça fait un moment que j'avais fait ce jet là, ça fait quelques semaines. Mais il est temps d'oser le PO. Je viens juste d'avoir un PM qui est passé sur des bottes dès la première tentative de la soirée. Espérons qu'on ait autant de chance pour le PO sur la cape, ça me ferait grandement plaisir. Dommage. On a ici 97,4 de puits, on va commencer par l'avita, je pense. On va chercher l'over hein, une fois de plus. Ou. Quoique. Ouais, si, je vais faire ça. Je vais mettre 3 pavis. Ok, on a un moins 6. Une ravie. Passe, bonne nouvelle. Moins 10, on est à 81,4 depuis. On va enlever le petit over qu'on a fait avec des récris. Nickel. Over agi également. Moins 3. Pareil, en espérant que ça crit pas. Ok, on a donc un item là qui commence à être pas mal. Bon, on va juste remonter un petit peu ce qui manque par-ci par-là. C'est-à-dire moins 15 pour les deux R. Hop, 12, 18. Nous fait donc 45,4 depuis. On est bon. Bon, la vita. Oh, la sagesse. Ouh là là, j'ai failli oublier la sagesse. On n'a rien vu, moins 9. La vita, bon, 246, hein, ça fait un peu de la peine. On n'aura pas mieux que ça. On est donc à 36.
On va aller chercher le moins 1 pour commencer. Ok, ça passe pas trop mal, on a un moins 9. Donc 27,4 restantes, je pense que... Je vais faire 3 tentats écrits. Une... Là, on est... Ouh là là, c'est pas moins 1, c'est moins 2. On est à 25. Ah oui, c'est vrai que c'est 2 que ça pèse, hein. 25, du coup, on va y aller à la par écrit maintenant. Par écrit, et on a ici 4 tentatives, et je pourrais pas faire grand-chose, pas grand-chose de ce qui reste, malheureusement. Donc c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok, bon, c'est pas énorme. Et, ah, j'ai un petit problème technique, ma souris là qui me fait ça de temps en temps. Je perds le contrôle du curseur, c'est pas grave. Allez, le PA ne repasse pas. 94 depuis là-dessus. On va y aller sur un Overvita à nouveau. À la pavie, ce sera bien, je pense. Ok, ça passe pas trop mal. On est à moins 12. 82 restants. On va mettre une petite réécrit pour enlever l'over, comme d'habitude. L'appât-âge, je vais les garder pour la fin. Tiens, ce sera plus simple. Ensuite, la fuite, moins 4. Et on n'est pas trop mal comme j'ai là. Hein. Petit 2 cri. Moins 10. Bon, c'est correct. On vient chercher l'agilité maintenant. Moins 3. On est à 65. On a le crit, ok. Bon, c'est plutôt cool, hein. Ça s'est très très bien passé. Là, j'ai bien géré le truc. Et on peut partir sur les récris. Alors, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5. 15 pour ces runes ici. Ça me laisse 50. 50, donc une tenta comme ça. Hop. Moins 2. 48 divisé par le poids des par écrits. On a 8 par écrits qu'on va pouvoir mettre. Alors là, c'est pas mal du tout. Hein. Comme tentative, on est sur quelque chose de très chouette. Allez. 5, est-ce qu'on a le 8? Le 8 réécrit aurait été sympa. Bah allez, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99 depuis, alors cette fois-ci la Vita va bien tomber, c'est une bonne nouvelle. Hop, moins 10. L'agilité aussi, il va arriver sur le 40, le 45, c'est parfait, moins 6. La chance, je vais la garder pour la fin. On va remonter les petits de haut, tranquillement. Ça veut bien passer, bien sûr. Ouh, 25 pour un dommage haut, ça picote. Bon, c'est la vie. Petite rester également qui passe, moins 6. 52 depuis restant. On va venir mettre les 3 pachas. Ok, pour l'instant, j'ai eu du crit un petit peu. Moins 9, c'est pas trop mal. 43, on enlève comme d'habitude l'over. Et bah c'est nickel. Je suis à moins 8. Je vais aller chercher le moins 7 bien sûr. Moins 1. Ensuite on arrive à moins 1 avec des par écrits. Ouais. Ok, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 24. Ça nous fait 18 restants. Bon, on peut mettre 3 par écrit. 1, 2 et 3. Ok, on a moins un récri, c'est pas incroyable, on a déjà eu mieux que ça. Et on n'a pas le PA. J'ai fait tomber le PA avec une pafuie, donc qui coûte assez cher en puits. Et j'avais un petit puits résiduel d'avant, donc on est à 89 ici. On va monter la Vita, on n'aura pas besoin d'over cette fois-ci, c'est pas mal, moins 9. Alors là, il va nous falloir un over en revanche. Moins 6. Et le reste de l'item est quand même assez propre là. Hein. Dommage hein, qu'ils prennent toujours un petit peu de puits, mais bon ça va, c'est correct. Moins 20 ici. On a 54 qui restent. Bah allez, c'est parti. L'appât-âge. En plus, on a les 40 sagesse, ça fait plaisir. Ok, allez, c'est parti. Les récris. On enlève l'over. Là, je peux y aller directement à la par écrit. Ok, on a moins 27. Il nous reste 18, bah tout pile, hein, 3 tentats. Hop, 1, 2 et 3. Ok, on a encore un moins 1, est-ce qu'on a le PA?
On n'a pas le PA. Les amis, j'aurais aimé terminer cette vidéo sur une belle tentative PO. Malheureusement, là, j'ai plus de runes et les Kamas que j'ai ici étaient censés partir pour l'achat d'un Dofus Vulbis. Donc, j'aimerais bien ne pas tout défoncer dans des runes. Donc, tant pis, j'arrête la vidéo ici. Bon, on termine pas sur quelque chose de sensationnel, mais il y a quand même eu des beaux jets qui ont défilé. On a vu des tentas qui étaient ambitieuses, qui auraient pu donner un magnifique item. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Donc, fin de la vidéo de Forge Magie sur cette cape. J'y reviendrai peut-être plus tard. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien sûr. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.